Alors, petite game Galivix, mais sans ZM? What the... Ah merde, j'ai pas le tracker. J'ai pas l'outre. Hop là. Sans ZM, pas fou, pas fou. Ouais, c'est peut-être roi des rats. Parce que Galivix, la bête, dragon, démon, Uran, Morévent, c'est pas une bonne idée. Il y a dragon pour la Kyr, mais... Pouah, le reste, c'est quand même pas fou. Le fait qu'il y ait bête, Morévent, c'est chiant. Ouais, go, roi des rats. Roi des rats, c'est le play ici. T'as vu la vidéo de Sacre de Spirit de D4? Non, je sais pas. Je sais pas ce que c'est Sacre de Spirit. C'est un tuber ou quoi, je sais pas. Et non, j'ai pas suivi. Enfin, D4, du mec, c'est Diablo 4. Nice, la banane, plus ça. Bon, après, ça, c'est pas le mieux. Oh, il y a la 4-5 en même temps. Oh, fait chier. En vrai, je crois que c'est la 4-5 au-dessus. C'est terrible, là, quand même. Parce que si je fais ça, je vais avoir une 3, 2. 2, 4. Après, j'aurai plus d'attaque, quoi, mais. Après, je sauve des points de vie, ouais. Allez, on va faire ça, mais c'est close, quoi. Je pense que c'est quand même rien mieux parce que je sauve un poids de vie. Et je devrais quand même pas perdre avec ça. Bah, si, je perds contre sabre. Ouf, putain, j'avoue que je perds contre sabre, terrible. J'avais zappé que je perdais contre sabre, du coup, c'était terrible. Heureusement qu'il joue pas sabre. Putain, la 4-5 est tellement forte. Ok, ça va, il joue mort-vivant. C'est bon, je peux up. Personne pique de sable, nos problèmes. Bah, j'espère, hein. Bah, disons que dans la méta, tu piques la 4-5 ou. Bah, ou t'es triste, quoi, de toute façon. Voir t'as une synergie avec ton héros. Vas-y, qui est pas trop forte, là, je vais ça un peu. Bah, en vrai, j'aurais quand même dû prendre la 4-5. Pour vous dire à quel point la carte est trop forte, genre, c'était plus fort que de faire héros pouvoir puis récupérer une banane. Après, le truc, c'est que j'ai eu un peu les pires quoi. Genre, Uran, c'était pas fou. Genre, si j'avais eu Chio, c'était cool. Sabre, limite, c'était même mieux. Les deux dragons, c'était mieux. Même les morts-vivants, c'était bien. J'ai un peu des chats le fait que c'est tag Uran. Ouh. En vrai, ça peut être un tour, ça, plus l'écho. Ouais. Vaut mieux que je commence par ça, par rapport à ce que je pourrais toucher là-dessus, peut-être. Y avait période scolaire, mais j'avoue que ça me hype pas trop. Le coq. Coq. J'aimerais bien hop au prochain tour. Peut-être appeler avec le buddy ou quoi, on verra si on arrive à gagner. Parfait. Parfait, parfait, parfait. T'aimes bien Murakams comme héros? Moi, je pense à un bon héros, Murakams. Comme 5, 7. Je peux prendre ça, je peux pas faire mon buddy là. Ouais. Pour le prochain tour, c'est pas grave. Hein. Ah. Quand t'es à 23 et que le mieux ça t'a 20... Oh, c'est un peu triste quand même. Je pense vraiment que le mieux c'est le... Oh. Ça me rend triste. Je vais le mettre là-dessus. Hello, vous conseillez quel overlay gratuit pour Batarang? Firestone, Hearthstone Deck Tracker, les deux sont bien, honnêtement. Je peux pas t'en conseiller plus un que l'autre. Les deux sont bien. T'as pas d'exclamation Tracker avec les deux.
On va perdre, mon buddy sera quand même gratuit au prochain tour. Après bon, je perds mais j'ai up et pas lui quoi, donc pas étonnant de perdre ici quoi. Ah, j'ai pas fermé ça tiens. Ok, dragon, donc c'est-à-dire que je peux roll si je veux. Deuxième coq. Comment est-ce qu'on joue ça? Trois, cinq, c'est de trouver un... En tout cas deux. Je pense que je prends la paire, hein. Yep. Peut-être un sort à deux, voilà, parfait ça. Ouais. J'ai pris ça, je me dis si jamais je me retrouve à jouer à play de nuit pour X ou Y raison, why not, mais bon, peu probable. Je pense pas que les autres seront joués de toute façon. Mon buddy, c'est neutre, vos actualisations coûtent 0 pièce d'or tant que la taverne ne propose pas de serviteur du type de votre power week. Donc ça peut te donner des rôles quoi. Un peu de sympa pour te filer des rôles. Ce qui pourrait être bien si tu joues une compo bête dragon, que tu essaies de transi, mais bon. C'est l'avantage surtout que le buddy coûte A, tu vois. Du coup, tu peux le tripler rapidement, c'est jouable rapidement. Ouais. Y'a un monde où. Où je freeze. Ah, je sais pas si je pourrais chercher un 6, mais ça, c'est pas ridicule au niveau de tempo, quoi. Ah mais j'ai la bête en plus, c'est incroyable. Non, je vais faire mon hero power là en vrai. En vrai on a un package de fou, hein. Je vais prendre Trigor là. Il y a Destrier, il y a Premier mais j'ai pas de Dragon qui va avec. Il y a un monde où je vends 3 pour acheter. Et je prends ça, je vends 1, 2, 3. Je pique Trigor quand même. Je pense que Trigor est quand même pas horrible là, parce que j'ai vraiment un setup royal pour jouer avec. Ah c'est une autre bête alliée du coup, il faut que je fasse ça. Ok. Le truc c'est que lui va avoir beaucoup d'HP, mais grâce à lui je vais lui donner un peu d'attaque aussi au passage. Et au prochain tour je peux tripler ça et donner reborn à ça, choper l'autre qui me rechampe une bête, why not. Genre en fait j'ai tout package bête très tôt, donc oui cette compo bête là c'est pas ouf, mais aussitôt toucher aussi bien, pourquoi pas. Je pense que c'est fine. Mais moi j'aime bien vraiment le l'autre reborn. C'est... Fouisseur plus Carabée ensemble. Si tu trouves Vifort, que tu le fais doré, tu vois que du Hara ou quoi, ça met vraiment beaucoup de stats. Hein. Il y a ça aussi qui est bien, il y a un package qui est vraiment cool. Là. Artiste, probablement. Je sais pas si je le garde pas en ta 25. En fait, les sorts en ta 25 sont tellement broken que ce serait cohérent de ne pas jouer ça en fait. Et pour chaque tour, on va puis on le joue. Et là, du coup, je donne Reborn à 3, je vends, je prends ça. Je peux faire mes rolls gratuits évidemment. Pour moi, ça le plaît. Prends la paire, j'imagine, au-dessus du hara. J'aime bien, j'aime bien.
le père. Ok. Ouais, c'est dommage que le buddy soit pas une bête, c'est sûr. Mais après, bon. Disons qu'en fait, le truc, c'est que Roi des Rats, son pouvoir est fort. Enfin, c'est pas un mauvais héros avec son pouvoir. Son buddy, il est pas cher, donc ça te fait un trip rapidement. Et ça te file un peu d'écho avec les rôles. Donc ça fait que Roi des Rats, c'est un héros, ok. Ça fait pas des dingueries, mais c'est bon, quoi. Regardez là pour un tour 7. Bon, après là, c'est bizarre la game parce qu'en fait. En fait, je touche une compo qui est pas ouf, mais je la touche tellement vite. Que bah ça fait que c'est vraiment bien, quoi. Après, pour gagner la game, là, ça sera différent. Parce que c'est pas censé être une compo qui gagne la game, mais bon. Dans la game, il y a bête, démon, dragon, uran, mort et vivant. Il n'y a pas tellement de compos non plus broken pour win. Enfin, si, après, moi, de faire des trucs avec ça plus démon. Atrocité, Shtara, tout ça. Il y a moyen de faire des compos de Zazanala. Et puis certains héros ont des. Genre, tu peux faire des dagris avec Tess, ETC, etc. avec les buddies. Lui, il peut faire des dagris avec les 7. Ouh, deuxième. Ok. J'ai encore le pouvoir bête, mon dieu. What the fuck, les shops? J'ai ça aussi à triple au prochain tour. Bon, bah, ça va être up hero power. On va prendre en vente de tout si on ne triple pas là. Scarabée sur l'autre éventuellement. De toute façon, c'est Scarabée forcément. Après, ça pourrait être bien pour la thune, mais. Surtout que j'ai des reborn. Ça fait 3 gold par tour. Mais bon, avec l'autre, je pourrais revendre et racheter un truc et acheter l'autre Trigor. Je pense que c'est peut-être mieux. Moi, je passe là-dessus. Pour revendre et racheter. Waouh. Ok. Goldrin. Je crois que j'ai fini le jeu, le chat. J'ai pas un rôle, j'ai ça qui m'intéresse comme télescope. L'abus. Oui, c'est un peu l'abus là, oui. Pour un tour 8, je trouve ça un peu abusé. C'est la première game? Ouais, avant il y avait la finale du Survivor. Un petit ara doré. Bah, j'ai pas de faire l'ara doré parce que je compte le récupérer avec le spell, le truc pour doré. Juste ara. Le doré, je le ferai avec regard, c'est possible. Vu que je suis fort, là, j'ai envie d'obsise rapidement pour essayer de choper d'autres Goldrain, le spell d'Amoul, peut-être même Goulag Cabra. Ça, j'ai pour moi le triplé de le garder, il sera trop gros. Hein. Wow, ça, c'est incroyable. Mais frérot, j'ai pas besoin de roll, tous les shops sont à descendre là. Je ne peux pas, je ne dois pas roll, Bob me donne tout. Ça va dégager, ça aussi. On va tripler. J'imagine. On reprend au prochain tour, le shop est trop bien. Vraiment, à votre place, je me dirais putain, c'est pas possible, il triche. Hein. Moi, c'est ce que je me dirais. Moi, vraiment, je me poserais des questions à votre place. Après, je suis pas à votre place, hein, mais. À votre place, c'est ce que je me dirais. C'est ce que je me dirais. Après, voilà quoi. Je suis pas à votre place. En vrai, ça marche avec Greyborn, ça peut scale pour un moment. Hein. Je peux le mettre en mode scaling, mais bon, ça peut con quand même autant prendre ça, j'imagine. Genre, on va chercher Vaifandre, si j'ai un peu de chance. La chatte. Oh, vous exagérez toujours le chat. Vous êtes toujours dans l'excès là. La chatte, bon. Bien joué aussi, on peut le dire. Vous pouvez dire au Liège, t'as bien joué, c'est tout. Pense pas. Juste que je vais faire ça, ça et. Go. Je veux pas jouer avec l'oiseau parce que le but c'est de transit sur une coupe pour Goldrin en vrai. Hein. L'oiseau c'est une fausse bonne idée.
En fait, la compo self damage est vachement moins bien que la compo gold rain, donc on va transit sur full compo bedral agony rip hop. Et juste je garderai le trigger parce qu'il sera déjà trop gros. Mais la compo self damage, auto dégâts avec trigger, oiseau, c'est faible. Juste j'ai touché tellement que bah lui il va rester un moment, voire tout le temps, mais voilà quoi. Bien pensé de toucher la paire de Goldrin, ouais, c'est bien vu, ouais. Malin. Ça, c'est vraiment trop trop bien avec les Goldrin. C'est mieux que ça et ça. Ce qu'il me faudrait, c'est Vyford, des sages. Après, autant garder ça pour un moment qui peut scale avec lui, j'imagine. Et plutôt virer ça. T'as peut-être quoi? T'as 26 maintenant que t'as de Goldrin? Bah, triplé Goldrin et je peux choper le spell d'Amoul pour choper les bêtes, justement. Je veux être 6 pour les spells. Y a ça, mais je sais pas si c'est vraiment si bien de le prendre. Genre, les buddies quand je joue bête. Après, je peux avoir le buddy d'Anzot, quoi. Ce qui est sûr, c'est que ça, je dois le faire, c'est trop fort. Derrière, eux deux devront bouger. Le but, c'est de garder 1, 2, 3, 4, 5 parce qu'il sera trop gros. Ça, je peux peut-être quand même le freeze. Il y a le buddy de Sneed aussi. Ça, ça match avec buddy de Sneed plus buddy d'Anzot. En vrai, sur le buddy de Sylvanas, je dégage lui, hein. Buddy Ticateuse, il doit y avoir une dizaine de buddies qui sont ok pour moi. Donc je pense que je peux le tenter. Et après, ouais, ça c'était censé dégager, on peut tripler ça, trouver du taunt, vague fendre. Goldrin, je pense pas que je jouerai le Ghoulacabra. Ça peut rentrer à la compo, mais là, j'ai pas la place. Enfin, j'ai trop bien touché pour la rentrer. Ghoulacabra, c'est un peu comme lui en mieux, genre ça rentre... Éventuellement la compo, ouais, bon, c'est mieux que lui, mais lui il est tellement lato que bon. Le seul mot. Après, lui je peux le bouffer, hein. Lui je peux le bouffer aussi avec le spell, lui. Ouais, j'avoue que je peux le bouffer avec ça. Canalisation. Ara, ouais, Ara je veux. Ara, j'aimerais avec Goldrin. Ara, plus Ara doré du coup. Avec le spell. Ara, j'aimerais. Vyford, j'aimerais. Après, on peut faire des choses. On va essayer. Oh, une fois que vous avez recruté un serviteur, vous obtenez un sort aléatoire de la taverne du même niveau. Le problème, c'est qu'il faut que je le fasse sur un timing où il me reste beaucoup de gold. Et j'ai envie d'acheter quoi? Bah, spell à 6, ça fait des serviteurs à 6, ça peut être pas mal pour choper le bâton d'Amoul et la canalisation. Voire même le plus 4, c'est pas déconnant. Voire même ça pour le Vyfand. Les spells à 5, ça peut aider pour choper le truc qui dort. L'armure éventuellement ou quoi. De toute façon, je vais le pick. Hein. Juste, je pense pas que je vais le jouer maintenant. On va reprendre ça, j'imagine. Bon, il n'y a aucun monde où je vais jouer l'un ou l'autre. Hein. Osef. On pourrait dire qu'on est fort et on rentre le sage pour faire un peu de thunes. On peut faire vraiment beaucoup de thunes avec le sage. Pour ensuite faire un tour de Zaza avec ça. Vous pensez qu'il me bat là? Moi je pense que je peux virer ça et prendre le sage. Ouais, ce sera un tour pour faire l'écho, bien sûr. Après je le bouge. Parce que là, au ras de l'agonie, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc là, je peux faire 11 gold. Ça se met bien. Pas gagné de faire 11 gold, mais c'est possible. Ouais, j'ai beaucoup d'HP, je pense que ça se tente largement. Oh, il est énorme. Oh. Bon, bah, je crois qu'il a gagné. Hein. Il a eu Rilak, Riband très tôt, avec lui qui donne un milliard de gemmes, plus Moira.
En fait, il a chopé deux T7 Broken super tôt, plus le Bran Reborn avec. Du coup, bah, tour 11. En fait, là, c'est un timing fort pour moi. Moi, je suis sur un timing fort. Lui, c'est censé être un timing faible parce que sa compo est lente à scale. Et du coup, là, concrètement, ce que je suis en train de vous dire, c'est que avec une compo qui est lente à scale, contre une compo qui est forte en tempo, il gagne. Donc, ça veut dire que, bah, sur la durée, changera pas la donne. Hein. Lui, il a gagné la game. Après, ça, c'est la méta buddy, quoi. Après, ouais, il a quand même giga chaté, hein, regardez-moi ça. Il est à 25, il a deux à 27 qui synergisent de Zaza ensemble, plus double Charlga. Plus Rilak Reborn, plus, tant qu'on y a un petit jeu hommage. Ok. Ok. Il a snipé le sage ou pas? J'ai pas fait gaffe si j'ai pu avoir de la thune. Bon, il était unwinnable, lui. Faut rien faire. Hein. J'ai eu beaucoup de thune. Ok, ok. Non, c'est abusé ce qu'il nous a fait. Ok, my time. De toute façon, je pourrais pas tout acheter. Enfin, je n'aurais pas la thune pour tout faire, donc je vais prendre ça. Ok, cool, ça. Est-ce que j'achète les sacs quand même, j'imagine? Enfin, j'aurais bien voulu l'acheter, mais est-ce qu'il est fort, lui? Je pense pas qu'il est si fort. Bon, c'est quand même bien assuré, vas-y, go. Faut que j'achète des sacs, là, si possible, deux sacs. Ok, j'ai un sac en plus. Et je pourrais pas racheter un truc, donc il faudrait soit acheter un truc de merde, soit on roll. Je vais plutôt roll, je pense. Ça fait un peu troll, là, les cris de guerre, c'est pourri as fuck. Je m'en fous du triple, ok, ok. À moins qu'on ait un cri de guerre synergie avec les buddies. Oh. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Bon, on va faire rebound sur Ara en se disant qu'on pourra tripler Goldrin après. Il faut virer ça, mais j'ai pas de taunt par contre. Faire ça, Nick. Est-ce qu'il y a un Rise of Cleave là? Non, en vrai, c'est con, il n'y a pas de Rise of Cleave, Osef. Bon, c'est pas très grave, ça changera rien. Il aura déjà tué le reste avant. Ah, ouais, j'avoue que j'ai pas regardé quelle était la taille des gemmes. My bad. J'aurais dû regarder. Donc là on espère tripler le Goldrin. C'est vraiment dommage que les spells en sac j'avais des dingueries. Spell en sac j'avais bon l'armure, why not. Ça why not. Découvrir 6, incroyable. Ça pour dorer le Hara, incroyable. Bon ça y a plus changement d'hero power. Récupérer d'autres buddies c'était bien. Ouais c'est juste vraiment ça ce qui était infâme. Et en vrai il y avait abattage aussi qui était nul mais bon. Dommage dommage. Découvrir une bête j'aime bien. Ça va le jeu, c'est bon, ça a des bugs. Ok. On peut roll avant de tenter ça quand même. On sait jamais qu'on touche le triple, du coup ça aura moins d'intérêt. Ça j'aimerais bien le virer, mais il faut d'abord que je fasse du triple. Que je trouve du taunt plutôt que ce que je raconte. Même s'il est pas horrible, hein. Plus de reborn avec Vyford, c'est ça a de la gueule. Peut-être si j'ai Rodeo avec ça, on va voir. Bien l'oseille. Ah ben voilà. Il y en a le taunt. On pourra jouer ça avec la thune j'imagine. À défaut de mieux. En vrai contre le mort je peux vraiment faire ça pour le scaling. Ara plus le tour mode scaling. Yep. Peut-être que je peux mettre Goulakabra autour du coup. On met ça autour. On taunt le Goldrin.
Et prochain tour. C'est dommage qu'avec l'autre, si j'avais eu un spell doré, c'est une dinguerie. Hein. J'avais eu ça avec le buddy, c'était caviar. On faisait deux haras dorés après. Donc là, l'idée, en vrai de vrai, lui, je prends moins le garder. Je ferai ça après. Mais vu que je suis contre le mort, je peux prendre le scaling. Ça, on va garder 2, 3, 4, 5, 6. Ça, ça va dégager. Et ça peut dégager si j'arrive à le bouffer avec le spell en 6. Qu'on a dit de canalisation. Ou Buddy de Sylvanas. Normalement, la game se finit au tour prochain. Oui, parce que Torim va one-shot Jandis. Et puis moi, je vais me faire fumer par Torim. Hein. Et on prend le top 2. Oui, c'est ça. Je doute que Jandis soit aussi gros de Torim. Mais voilà. Après, du coup, est-ce que vu qu'on me reproche à tour, est-ce qu'on devrait quand même pas faire ça pour éviter la grid? J'imagine que oui. Hein. Probablement. Après, il a l'air vraiment gaze, lui. Parce que ouais. Je vais faire ça parce qu'il y a peut-être un monde où Jandis, par miracle, ne meurt pas. Et du coup, après, je vois battre Jandis, peut-être. Peu probable, on sait jamais. Parce que je pense vraiment qu'il peut pas me battre, lui. Parce que je trouve mon board pas dégueu sur ce timing-là, surtout contre un mort, mais on cherche pas du scam, là, du coup. Le truc, c'est que je pourrais jamais avoir assez de scam pour le battre. Je pense qu'il a bouclier divin, il a le rebound du relac, enfin, le temps de faire une transi, ça se fait pas comme ça, il faut beaucoup de temps. Et même si j'arrive à faire du scam, le mec aura de quoi contrer, tu vois. Je pense. Il aura eu le temps de pré-shot et tout. Puis en plus, il n'y a pas Murloc, donc faire une compo scam sans Murloc, niveau possibilité, c'est vraiment limité, quoi. En gros, là, je peux jouer Sorcieron, Sliroy, et c'est tout. Donc bon. Même si les cartes scam, le problème c'est qu'il joue une compo Uran scaling. Du coup, tout son board scale, tout son board est gros. Il n'y a pas un ou deux gros serviteurs, tout énorme. Attends, mais il est énorme son truc. Non, c'est bon, le mien est quand même plus gros avec l'attaque. Il m'a fait douter. Ok, ok. Je suis la méta en dilettante sur tes streams. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de compos scam dans cette méta. Ça se joue, si. Bah, la compos scam, après, c'est une compo que tu joues quand tu touches pas en général. Mais bon, sans Murloc, c'est sûr que ça se joue pas de toute façon. Bon, nous sommes morts. En théorie. Y'a pas un mort vivant pour nous donner Reborn à Leroy. Ouais, y'a pas. Bah, si, y'a un mort vivant là pour le coup. Il y est. Si. Ouais, il a mis 39 à Jandis qui gagnait ses combats. Bon, on va rester pour voir son board, hein. En mode beau jeu, mais je ne pense pas pouvoir gagner. Il y a option Boaz, dit qu'on est derrière, ça peut ramener de Leroy, mais ça se fera quand même pas, mais bon. Un autre Goldrin. Fait pas grand chose, hein, honnêtement. Faut mieux que j'évolve, là. Spell qui bouffe, non. Deux Boas. On vire ça, on met deux Boas, ça peut ramener 4 Leroy, voire même plus. Il y a un monde où ça ramène 3 Leroy, il me reste des Ripop, et je gagne. La probabilité est infime. Mais c'est l'option la plus cohérente que j'ai trouvée, là. Si vous avez une autre option, n'hésitez pas, mais je crois que c'est la meilleure. Perso, j'y crois. Tu es d'élu. Tu es sacrément d'élu. J'étais en mode, il y a même un monde où je vire ça, mais il me faut des ripop pour derrière win. Le truc, c'est qu'à partir du moment où il tape là-dedans, ça me bloque les ripop, donc je suis dans la sauce. Et même si ça tape dans le bon ordre, il faut que ça ramène full Leroy, ce qui est possible ou quasiment. Regardez les stats qu'il a. Tour 14, il a un board qui est en moyenne à 600 de stats. Et encore, je suis gentil parce que là, il y a 1150 de stats. Ah, un lucky. Oh, dommage, pas de Leroy. Et ça, c'est grâce à son buddy qui a evolve, mais il a juste, comme je dis, bien chaté, parce que
il a chopé ça très tôt avec ça. Avec son pouvoir évidemment l'autre, mais le fait d'avoir une synergie des deux, bah c'est random. Le fait de choper full Sharga en étant avant ça, c'est random. Le fait de choper rapidement Rilak Reborn, énorme chat. Le fait d'avoir Géomage, GG. Plus Drakkar avec tes Sharga. Il a les notes ça. Et pourtant, si on est honnête, j'ai une game de fou. Niveau chat, j'ai une game de fou. Mais comme je vous disais, bête, ça fait pas des dingueries. Et après moi, j'ai fait des dingueries juste avec les shops. Lui, il a fait des dingueries avec sa compo. Et en synergie avec son buddy. Ce qui fait qu'avec son buddy, il a fait un truc de zaza. Avec les buddies, tu peux faire des dingueries. Ce qui n'est pas le cas ici. Moi, j'ai fait une game où mon buddy a eu très peu d'importance au final. Ce serait une méta non buddy. Ça aurait déjà beaucoup plus de gueule ce que j'ai fait. Dans la méta buddy, c'est pas insane. Là, on a entre guillemets joué sans buddy. Le buddy nous a filé un peu d'écho, un peu de tempo. Mais voilà.